Y'a tout le monde, c'est endroit à côté de moi, j'ai Tagada. Salut à tous. J'espère que vous allez bien, nous ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo découverte de Hitman Blood Money, disponible sur le CD, donc Hitman Trilogy sur PlayStation 3 qui réunit Tagada, t'as étudié ? Alors, Hitman, Silent Assassin, Contra et Blood Money. Donc je précise que c'est Tagada qui va découvrir ce jeu parce que personnellement Hitman je suis niveau infiltration, comment dire ? T'as des problèmes. J'ai des gros problèmes mentaux à ce niveau-là. Quand je me lance dans un jeu d'infiltration, je commence à avoir des problèmes mentaux. Je peux pas. C'est quelque chose, je peux pas. Mais voilà, il y en a, ils peuvent pas jouer à des FPS. Il y en a, ils peuvent pas jouer à des RPG. Moi, je peux pas jouer aux jeux d'infiltration. Ouais, ça, c'est plutôt mon truc. Je me fais repérer au bout d'un millième de seconde, quelque chose comme ça. Même des fois, j'essaye, mais je peux pas. Donc du coup, je laisse faire Tagada. En plus, ça me fait plaisir qu'elle joue un petit peu, que ce soit un petit peu la star de l'épisode, même si moi je vais beaucoup parler, parce que j'ai l'habitude du coup de beaucoup parler. Donc ça va me... Puis comme ça au moins je comblerai les trous, parce que Tagada du coup elle doit être stressée un petit peu. Un petit peu, ouais. Donc 4 tu pour lancer. Alors, débutant, normal, expert ou pro? Oula, 7 sauvegardes. Oulalalala. 7 sauvegardes c'est quoi? Je comprends pas. Mais en fait, si tu veux... Le but, quand tu augmentes tes niveaux, par exemple pro, je pense, voilà, il n'y a aucune sauvegarde. Genre, tu dois faire le jeu sans sauvegarde, t'as le droit à aucune sauvegarde. Mais sauvegarde automatique ou sauvegarde? Non, sauvegarde, il n'y a pas de sauvegarde. Ah, et en normal, t'as le droit à 7 sauvegardes, c'est tout. Voilà, donc je vais me mettre en normal. Mais le jeu, il dure combien de temps? Je sais pas. Blood Money, je l'ai jamais fait. Moi, quand j'avais 11-12 ans, peut-être, j'ai fait le Hitman Silent Assassin. Et je m'en souviens plus très bien, mais je sais que je l'ai bouffé ce jeu, je m'en souviens un peu vaguement. Mais je l'attends celui-là, attendez. Je vais bien le tester. Ça me fait plaisir de reprendre en main Hitman, de pouvoir infiltrer un petit peu, jouer à l'assassin, tu vois. Je sais pas comment tu peux aimer ça, je sais pas. Bah, c'est un peu comme les Splinter Cell. Hein. Enfin, toi, t'as pas trop aimé. Mais... Splinter Cell, j'adore, mais je me fais repérer toutes les deux secondes. Or, ça me saoule. Mais si, le nouveau Hitman, tu l'avais bien aimé. Bah ouais, mais je me faisais repérer. C'est Absolution, c'est ça, non? Ouais, mais je comprenais pas, je me faisais repérer et après je mourrais. Ça me saoule. J'ai mis les sous-titres, mais il n'y a pas l'air d'avoir les sous-titres. Je les ai pas mis. T'as pas sauvegardé, peut-être. Pourtant, j'avais la pression. Bon, c'est pas bien grave, j'ai pas changé grand-chose. Mais... Daily. Mail. On va sans doute tuer Mr. Joe. Par contre, je trouve que 47 est super charismatique. Ah, mais il est peut-être mort, en fait. Okay. Ah non, il est pas mort. Si, il est vachement charismatique. Enfin, charismatique, c'est un petit peu... Ouais, non. C'est un petit peu à deux sens ce que tu dis, parce que bon, c'est le gars, tu vois, il en a rien à foutre. Il est dans ce qu'il est, tu vois, il est tout le temps concentré. Limite, il parle presque jamais juste pour dire quelque chose de vrai, tu vois. Il parle pas pour faire la conversation. Oui, mais il en impose, quoi. Il est charismatique, quoi, je veux dire. Puis là, tu le vois en face de toi, hein, dans la vie réelle, tu te dis, ok, bon, bah, tu fais des adieux, quoi. Tu vas te cacher. Position fœtale. Sous ton lit. Sous le bureau, plutôt. Ok. Ok. Je pensais que ça allait y avoir une putain de conversation et tout, mais... La mort d'un artiste. Est-ce que les chargements sont longs ou pas? Parce que sur PS2 et Xbox, les chargements étaient assez longs. En tout cas, la HD est belle quand même. Ouais, enfin, j'ai jamais touché à Blood Money de ma vie, mais je me rends compte des jeux PS2 et... Ouais, c'est surtout, ouais. Il était sur PS2. Et Xbox. Ouais. Et Xbox 360 et PC. Je sais pas pourquoi, mais j'ai regardé. Enfin, on a regardé jeuxvideo.com et c'était marqué Xbox 360. Ouais, mais est-ce qu'il était pas attendu sur Xbox 360, mais il est pas sorti? À moins que. Pas. Ouais, non. Ah, mais d'ailleurs, on l'a sur PC en plus, je regarde. Ah ouais? Alors, bienvenue dans la mission d'entraînement. Ce niveau d'entraînement vous familiarisera avec les différentes compétences et techniques requises pour mener à bien. Ce qui vous attend. Ok. Allez, accéder à la jetée. Wesh, t'as vu, c'est où la jetée? Wesh, là-bas. Tu dois te jeter dans la jetée. Ah, je suis à la jetée là. Ah, ouais, c'est peut-être là-bas. Mais tu dois te jeter. Deux fois que je fais la blague, hein, deux fois. Ah oui, ils expliquent même pas en fait. C'est un truc d'entraînement, mais. Je sais pas, ils ont pas l'air de vouloir me dire ce qu'il faut faire. Critique pas trop, c'est Square Enix. Bienvenue en Amérique. Bah ouais. Yeah. Mais s'il est abandonné, je peux pas m'infiltrer. Bah si, parce qu'il est pris par un mafieux.
Ok. T'allais monter dans la voiture ? Bah non. Mais il y a du sang. Il y a quelqu'un. Semble impliqué dans un réseau de distribution de drogue. Attendez le carte. Propose peut-être encore quelques divertissements. Amusez-vous bien, 47. Wesh, wesh. Je suis venu voir Joseph Clarence. J'ai jamais entendu parler de lui. Monsieur Sweeney. Ah. Ce pauvre connard. Comment tu t'appelles ? Je ne le vois pas, on va voir mieux ce serait. Mais il en a pas, il s'appelle 47, c'est tout. Papapam. Mais je sais pas, il y a quand même eu plusieurs jeux vidéo, donc ça veut dire que 47, il a une vie, tu vois. Et personne le connaît. Mais non, parce que c'est un agent filtré. Je suis désolée, mais je vais essayer de mettre les sous-titres parce que ça commence à grave me saouler. Et voilà, sous-titres, non, choisir, ok, accepter, reprendre, bim. Allez, sous-titres, merci. Il y a du sang, on va aller voir ce qui se passe. Tu dois regarder la photo. T'avais une photo et tu dois la regarder. Essaye toutes les touches. Si t'avais une photo, tu devais regarder la photo. Ok, il n'y a pas de photo. Ah ok, j'ai trouvé, c'est select pour voir ouverture, nanana, ouverture des portes. Fais flèche gauche. Nanana. Non mais select. Voilà. Un carré appuyé. Maintiens un carré appuyé. Voilà, regarde la photo, t'en as une tu vois de photo. Corde de piano, un jeune garçon. Le client souhaite que vous montriez cette photo à la cible. Ce doit être la dernière chose qu'il voit. Vas-y, regarde okay. La photo, tu peux pas la regarder plus près. Mais non. Mais alors, tu vois la photo, là. Mais il y a quelque chose d'écrit derrière, et moi, je veux voir. Mais c'est en anglais. Dear little bubble. Bon, bref, je sais pas. Fou, ouais. Bref, j'ai une pièce la pour détourner l'attention. Des jumelles et une corde de piano. D'ailleurs, ça va être très utile. Et je l'ai sorti, je sais pas pourquoi. Bah, si, ça donc, j'ouvre la porte. Est-ce que je peux, est-ce que je peux me baisser parce que je ne me souviens plus des touches, bien sûr. Je pense que ça doit être L1 vers un mur ou non. Une corde comme ça. Non, c'est R2. Ok. Qu'est-ce que je fais? Ah d'accord, bah si c'est ça. Distraire les gardes. Ok, avec ma pièce de monnaie, c'est ça? Avec ta corde de piano. Je vais faire de la musique. Je vois pas trop comment je pourrais faire ça. Est-ce qu'il me voit pas là? Mais en fait, c'est super mal expliqué comme jeu. Genre moi, je me serais déjà fait repérer puis une heure. Peut-être. Je vais essayer de prendre une pièce de monnaie, je vais la lancer. Est-ce qu'il me voit? Non, il me voit pas là. Bim, bim. Une pièce de monnaie. Ah mais là, ils sont dehors. Je ne peux pas me baisser avec la pièce de monnaie. Ok. La blague. Vous ne me voyez pas. Vous ne me voyez pas. Est-ce que la fenêtre est cassée, là? Ouais, j'ai l'impression. Je sais pas, moi aussi, j'ai l'impression. Ça fait quoi si je fais ça? Non, mais ridicule. Mais ramasse ta pièce, gars. Putain, tu vas pas... Comment je fais pour la ramasser? Oh non, putain. Oh non, mais quel bouffon. C'est quoi ce jeu? Ah, mais j'en ai plein des pièces. C'est bon. Lance ta pièce, ploup. Oh, ridicule. Ah, mais genre, comment je fais? Est-ce que je peux ouvrir la porte? Ok. Alors, je sais pas, il la voit s'ouvrir. Et... Est-ce que je peux, genre, la lancer tout au bout? Faut que je distraie les gardes, mais comment je fais pour distraire les gardes? Fais select. Peut-être qu'ils disent. Appuyez longuement sur la touche L3 et relâchez pour lancer la pièce en direction de votre choix. Remarque, lancez plus loin, appuyez plus longuement sur la touche L3. Ils peuvent pas le dire en jeu, enfin je veux dire... Appuyez longuement sur la touche L3. Mais c'est bizarre. Genre, je fais comment? Vas-y, lance là. Mais okay. Ils auraient entendu. Ah non, mais... Attends, je vais essayer de la lancer vers là-bas. Sur le taureau. Ah, c'est... Cours! Oh non! Vite! Ah, ils se sont repérés. Allez! Éliminer le gangster. Ah, oh, il m'a vu! Il t'a vu! Ah! Ah oh, non! Ah, t'as la pièce sur toi! Attends, je cours là-bas! T'as cru la porte au nez. Eh, mais il me voyait pas, hein. Mais c'est quoi ce jeu? Mais c'est un truc d'entraînement, donc je m'en fous. Mais c'est juste que c'est un petit peu mal... Mal optimisé, en fait. Voyons voir. Attends, je vais prendre la corde. Et je vais leur niquer leur gueule, d'abord. Ouais, vas-y, nique leur gueule. Ah, regarde, il fait comme si j'étais pas là. Mais c'est ridicule. Bouf, j'ai vu quelqu'un passer. Ah, ça doit pas être attends, bien, je vais l'avoir, lui. Émile, éliminer le gangster. Ok. En fait, il savait que j'allais... machiner. Te faire louper mon coup. Alors toi, t'es mort. T'appuies sur quelle touche? J'appuie sur R2.
R2, ouais. Alors toi, t'es mort. Toi, t'es fier. Ah, il est là-bas, il est là-bas. Ah. Non. Tu me vois pas. Hein. Ah, bah si. Tiens, t'es mort. Oh. Oh. Je m'en fous, je l'ai éliminé. T'as tiré. Et il y a personne qui me voit, là. Lui, il avait peut-être seule. Le flingue. Moi, je préfère rester toute seule. Toute seule. Ah, tu connais aussi. Dans le parc d'attractions. Toute seule. Éliminer les gangsters. Doudoudou. Ah, putain, moi, merci, je suis trop discrète. On chante du Laurie. Sur Ismail. C'est magnifique. Vas-y, balle dans leur tête, headshot. Ah, je sais pas qui c'est. À la foutre. Mais il fait quoi? Je veux même pas savoir ce qu'il fout. T'as vu? Moi je te tue, t'as vu? Okay. Hey, t'es méo? T'as cru que t'étais. Hein? Mais. T'as plus de balles, hein? Est-ce que je peux faire ça? Non. Non. Bon bah tant pis. Voyons voir. Escalader le treillage rouge. Et c'est bon. Aïe. T'es au taquet. Ouais, mais j'ai plus de munitions, quoi. C'est chaud. Sauter sur le balcon. Je suppose que je vais faire X. Ah non. Je me la joue à Tomb Raider, là. Bim. Uncharted aussi. Ouais, Uncharted aussi. Attends, je vais changer, je vais prendre un truc de piano, là, parce que... Mais je trouve vraiment pas ça super intuitif. Hein. Non, c'est compliqué, en fait. Après, peut-être qu'on a l'habitude de la current gen, quoi. Ouais, c'est vrai que PS2 Current, Current, je pense et Xbox, c'était pas pareil. Regarde par la sœur. Il sniffe. De la cocaïne. Il sniffe de la cocaïne aussi. Il joue au poker. Ah non. Nettoyer comment la tu salle vas faire, côté. Là s'éloigner de la serrure. Comment tu vas faire? C'est quoi, là, ton plan d'action? Alors, voyons voir. Est-ce que il y a un autre accès, déjà? Non, il n'y a pas d'autre accès. Donc, je suis obligée forcément de rentrer, je suppose. Donc, je n'ai plus de balles. Donc tu as foncé comme une tarée. Donc je suis une ouf et puis voilà quoi. Non, j'ai vraiment plus de balles quoi. Non. je vais les assommer à coups de photo. T'as vu? T'inquiète. Je suppose que... Crochette? Ça crochette tout seul, t'as rien à faire. Oh oh. T'as vu? Moi je suis une ouf. Mais t'as pas la corde de piano, gars. Est-ce que j'ai des munitions du coup? Je sais pas. T'as vu? Corde de piano! Aïe! Mais. Tu fais un petit balai? Oh, t'avais que deux balles. Mais... Vas-y, balle dans sa tête. Non, ça peut toujours servir. Ouais, mais non, mais tue-le! Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Fais quelque chose, quoi! Eh ben, je crois que je peux pas, hein. Ah, bah si. Oh! Comme je l'ai fait saigner du nez, quoi! Mais c'est bon, je les ai éliminés, hein. Je peux pas ramasser les... Traîner le corps. Comment il le traîne? Ah, ouvrir l'inventaire, j'ai vu, il y avait un inventaire. T'inquiète, il y avait un inventaire. Mais j'arrive pas. Pose le corps. Lâche-le, il t'a rien fait. Non, inventaire. Je te jure, j'ai vu un inventaire. Un inventaire? Mais c'est là, hein. Non, mais non. Va sur le gars mort. Traîner le corps, vas-y, bouge un peu sur lui, marche-lui dessus. Je te jure, j'ai vu un inventaire. Mais t'as rêvé, hein. Putain, mais je suis pas folle. T'as grave rêvé. Ah. Ouvrir le congélateur. Ah non, ouvrir le couvercle. Pourquoi j'ai vu un inventaire? Ah attends, c'est pour mettre dedans. Vas-y. Mais. Se débarrasser du coup. Genre il va disparaître, tu vois. Ah moi je me souviens, je les mettais dans les poubelles et après je me cachais avec hop, eux. Regarde. Ah si, il est toujours là. Bah attends, on va en mettre le deuxième parce que non, c'est. Non, dans trop... l'armoire. Dans l'armoire? Ouais. Il est venu avec moi? Non. Par contre, t'as vu que t'avais un couteau de cuisine sur l'armoire? Un couteau de cuisine sur la mort, ok, ça peut être sympa d'avoir. Pourquoi un tu couteau. Sors toi? Je sais pas, parce que regarde, ma barre, en fait, elle se réduit. Mmh. Du coup, je suis dans le vert, là. Bon, ça, c'est cool. Regarde, t'as un couteau de cuisine. Je vais prendre le couteau. Hop. Il le prend dans le mur, c'est génial. Pourquoi il le met derrière ses fesses? Attends, l'autre, je vais le mettre dedans. Bah, avec son copain, quand même. T'es méchante, tu les sépares. Non, je les sépare, moi. T'es méchante. Hop, ouvre le couvercle, bim, se débarrasser du corps. T'es comme ça, toi. Bim, hop. Ferme le couvercle. Cachez-vous dans le placard. Ah ouais, si je ferme pas les couvercles. Cache-toi, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver.
Oh. Éliminer le chimiste. Vas-y, aïe, aïe, aïe. Bim. Aïe, aïe, aïe. Carte magnétique, il avait une carte magnétique. Ok. Tiens. Okay. Et lui, il planque le aussi. Pourquoi couteau de cuisine? Pourquoi il... Qu'est-ce qu'il veut me faire? Tu dois prendre la tenue. Ouh. Agent 47, chimiste. J'allais dire cuisinier parce que c'est blanc. Normalement, je dois pas faire de faux pas et tout. Bon, c'était les pros. C'est normal que je bafouille. À droite, non, c'est à droite que je suis. Non, mais je sais. Mais je veux dire, c'est compliqué de jouer à un jeu comme ça sans connaître les touches et puis surtout qu'ils nous disent rien, quoi. Non, puis bon, de toute façon, tous ceux qui nous connaissent maintenant, qui nous suivent depuis le début, savent que nous, on se concentre pas sur le gameplay. On prend vraiment du temps pour s'amuser, tout simplement. On découvre de nouveaux jeux avec vous. Et si on n'a pas un bon gameplay et que ça vous plaît pas, bah désolé de vous le dire, mais il y a plein d'autres chaînes qui proposent de bons gameplays. On va pas. On n'est pas des hardcore gameuses, on est des gameuses, c'est tout, voilà. C'est... Puis bon, hein, si moi je me mets à jouer à Hitman, t'avais un flingue. Là, c'est si moi je me mets à jouer à Hitman, là je pourrais vraiment dire que c'est du gameplay de merde. Mais. Non, mais le pistolet là, il doit y avoir plein de balles. Tiens, et ramasse ton pistolet, récupère le pistolet. Ouais. Et tu peux prendre la caisse de levure aussi. Mais c'est un peu les mêmes en fait, pistolet. Ouais, mais peut-être que du coup t'as pris des munitions en plus. Ouais, enfin bref. Prends la caisse de farine. Oui, c'est pour en fait dissimuler les flingues. Pour que ça... Mais et si je cours, ça va pas le faire, gars. Allez, concentre-toi. Pourquoi tu prends les caisses de levure en fait? Pour dissimuler les armes. Pour pas qu'ils les voient. Et que je puisse entrer avec. Mmh. Ils vont me fouiller moi, mais sûrement pas la caisse de levure. Genre, ils se disent pas, un chimiste avec de la levure, c'est un peu chelou. Mais si c'est de la levure. Quoi? Quoi? Déposez les armes. Voilà, c'est qui le patron? Je sais pas, t'avais une arme juste avant, il veut même pas te tuer, enfin. Poser la caisse verte, mais je la pose où? Monsieur Spook. Écoute ce que je te dis, on rouvrira le parc et tout sera comme avant. Mais non. Oh la vache, la gueule. C'est genre un clown, tu vois. Au revoir, monsieur Spook. Spook, Spookounet. Le tue pas, il a l'air gentil. Mais je la pose où la caisse? Mais là, tu t'en fous. Je pose cette caisse là, t'as vu. Mais oui, je vais récupérer l'arme. Voilà. Grimper sur l'ascenseur. Ah ouais, je veux bien. Mais... Ah ok, d'accord. Est-ce que je peux. Je peux. Non, mais je vais. Ah d'accord, ok. Fallait que tu le tues avec la corde à piano. Ah bon? Ouais. Moi j'ai plein de vie, toi t'es mort. Tu vis totalement à côté. Bah c'est super dur en hein, sérieux. Headshot. T'as plus de mumu. Je sais pas comment tu vas faire. Ah, fais ça sur plein de corps. Je peux te tuer? Non, non, mais ramasse de munitions, ça me stresse pour toi en fait. Bah, je suis une stressée de munitions. Mais attends. Mais c'est quoi? Mais on s'en fout, elles sont... Elles sont déjà mortes. Elles sont accroupies. Mais là, tu... je sais pas si tu pourras tuer plusieurs autres personnes, quoi. Mais il faut que je désactive le tableau électrique. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est. Putain, je suis paumée. Et je trouve la luminosité, elle est pas top, quoi. À moins qu'il y ait de la fumée. Je peux passer par là? À travers les putes? Mais... Où est-ce que je vais? Entrer dans les toilettes, ok, ils pouvaient pas dire ça avant. Ok, les Chou. Toilettes pour gars. Bim. Ouvre la porte. Putain, les... Comment je fais pour l'utiliser comme bouclier? Appuie sur X, ok. Nettoyer la salle. Mais genre, les chiottes, ils sont pas fermés quoi, chez eux. Des headshots. Mais des recharges.
Voilà. Bim. Et assomme la victime. Voilà, et ramasse les mumus. Mais je sais pas si je peux les ramasser. Hein. Vas-y, fais rond. Rond. Mais... Voilà, là, t'en as 12, tu vois. Et l'autre, il doit en avoir aussi. Putain. Mais c'est pas vrai, ça. Voilà. pistolet. Ah non, tu vois, c'est, en fait, ça lui met sur lui, je sais pas. Bon, j'ai pas tout compris, bref, moi non plus. Hop. Faut que t'ailles tuer Spook. Ouais. Attends. Putain, mais c'est vraiment le bordel, leur maison. Prenez la mallette du fusil. Bon, j'ai pas eu le temps. Scoop et Spook. T'as passé la cinématique? J'ai pas fait exprès. Ah bah bien. Mallette de fusil. Enfin, à fusil. Monter le fusil de précision. Comment je fais? Select. pour qui? Et quand on est de visible dans un moteur pour assembler le fusil de précision. Ok. Hop. C'est bon ça. Dragunov. Fusil et les trois gardes dehors. Comment je fais? Oula, c'est pas ça. Ah, mais je peux pas viser, en fait. R3, peut-être. L3. C'est sérieux, c'est ça, le vise. Le viseur. Il y a même pas de silencieux. Et de 1. J'ai des bons yeux. De 2. Et 2. Et de pas 3. Il est où? Je sais pas. Ah, je le vois sur la tour, là, ouais. Là. Sur la tour. Bim. Voilà, sort. Attends. Je vais reprendre mon SLP. Ah, tu peux jouer en FPS. Je sors par où? Ouais, je savais pas, en fait. Tiens, regarde, va de l'autre côté. De l'autre côté, de l'autre côté. Regarde, là, tu... Ah, à droite, regarde. Tu vois, t'as une porte, là. Ouais, bonne déduction. Glisser le long du tuyau. Quel tuyau? Ils sont contents, eux. Il n'y a pas de tuyau. Ah là là. Ah. Non, mais putain, faut le voir, leur tuyau. Mais... Ah, c'est bon. Non, pourquoi il prend la grosse arme dans la main? Pourquoi pas? Je sais pas pourquoi il fait ça. Ah, mais regarde, j'ai mon autre arme dans la main. Ah. C'est un peu kikikule. Trouver la porte... Mais arrête de monter, Tagada. C'est pas de ma faute, arrête, super, stop. Trouver la porte du bureau. Moi, je sais pas, moi, il y en a plein des portes. Ça doit être elle, là-bas. C'est toujours les grosses portes. Moi, je suis une ouf. T'es non, c'est vrai que c'est difficile de jouer à ce jeu quand on n'a jamais joué et que c'est pas très bien expliqué. Je suppose que c'est ça. Ramasser la seringue. C'est là-dedans. Ouais. Seringue de poison. Grimper à l'étage. Je sais pas. Non, garde-la sur toi. J'ai quoi d'équiper, là, en fait? La seringue. Oui, mais si ça se trouve, je vais tomber sur des... Ouais, je sais même pas. Prends la corde. Ouais. C'est bon, c'est une meuf. À côté, donc tu peux le tuer, le gars. Okay. Non, j'ai pas compris non plus. C'est... Pourquoi t'es passé à ton arme, en fait? Bah, je sais pas, ça le fait automatiquement. Et... Ah, il est là, le gars. Reprends la seringue. C'est lui, non, Spook? Ouais, je pense. Non, faut que tu prennes la photo. Ah oui. C'est vrai, il faut que je lui montre la photo avant qu'il meure. C'était pas Carole-Anne, c'était Carole-Anne. 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 Ah, vas-y. Fais triangle. Ok. Meurs. Bon, voilà, il est on ne peut plus mort. Voilà. Sortez par la fenêtre. Je prends la photo parce que ça m'intéresse. Quelle fenêtre? Là-bas. Voilà. Ouais. Je suis un petit peu amochée quand même. Hein. Bon.
Bon, bah Takada, je pense qu'on va s'arrêter là pour la petite vidéo découverte, parce que tu as tué quand même un premier Gus, donc c'est pas mal. Attends, en même temps, pendant qu'on va dire au revoir, je me permets de tester un peu le jeu, voir un peu la maniabilité, la jouabilité. Donc j'espère que ce petit épisode vous aura plu, surtout que pour une fois c'était Takada qui jouait et non pas moi. Et Takada, est-ce que ça t'a fait plaisir, toi? Bah oui, de retrouver un Inman, c'est sûr, mais c'est vrai que je me suis déshabituée de jouer sur PS2, enfin le gameplay PS2, c'est vrai que c'est difficile d'y revenir. Mais comme je dis, de toute façon, il y a beaucoup de jeux de PS2 auxquels j'ai envie de jouer. Donc, c'est bien que je puisse... T'es en train de tout niquer ma partie. Ouais. Merci beaucoup, Andro, c'est trop gentil. Oui, sinon, ça m'a fait très plaisir d'enfin jouer voilà sur la chaîne. Ouais. C'est peut-être pas la première fois que je joue sur la chaîne, mais c'est une des premières fois qui m'aura vraiment marqué. Et c'est cool, en plus, c'est moi qui ai choisi le jeu. Donc, oui, c'est vrai que c'est toi qui j'espère que ça vous plaira. Et sinon, que dire à part prenez soin de vous et à très bientôt pour une toute nouvelle aventure. Ciao tout le monde. Ciao.